So I'm very pleased to introduce you this morning four video clips. So they're quite short, actually, between 8 and 10 minutes each. I want just to introduce them. So I'm not a specialist of neither of the subjects you will see and listen to in these movies. So I'm not sure I will be able to answer any questions at the end. But there are probably much more knowledgeable people in the room. And hopefully the movies will speak for themselves. Okay. So I just want to introduce the background of these different movies. So it's a project we launched 1 year ago at IRD in Vietnam, with the idea that we had somehow to make a little bit more public what we were doing in partnership in the country. As I said yesterday, we have 20 researchers, we have a community of over 250 people working in the different laboratories. And the problem is, what happens to all the knowledge and all the scientific results we obtain? Okay, it's a very, well, it's a huge problem for any researcher, and especially researchers working for sustainable development. Okay, what happens to them? Do we have to write policy brief? Do we have to, I don't know, publicize what we do on Facebook or websites or dedicated blogs? Or so one of the strategies we opted for was actually to produce a number of short movies on different subjects with two goals. And you will see it very clearly in the movies. The first goal, of course, is to highlight a research problem and to highlight what kind of research partnership can be established on this problem. And the second is to highlight as well the partnership itself. So to show people why it can be interesting to work together while we come from very different cultures, very different backgrounds. Okay, so what is the benefit of doing this? What is the benefit, of course, for French researchers, but what is the benefit for Vietnamese researchers as well? So I hope you will understand what kind of benefit we got from these different projects. So right now we have produced 7 short movies in a almost 1 year time frame. We plan to produce 20 of them. And I don't know if it's on the movies, but maybe we can share it later. Most of them are or will be available sooner or later on YouTube. Okay, so that you can, of course, see them again if really you're interested, or share them, use them for your lectures, etc., etc. Okay. So right now the movies are in French and English. So basically, whenever someone talks in French, speaks in French, it's subtitled in English, okay? And there will be Vietnamese versions coming soon. We didn't have time, actually, to make all the subtitles. So we'll begin with the two first ones. So we'll do two different times, actually. So the two first ones are touching the general subject of pollution in Vietnam, with one first emphasis on recycling. So how do you recycle solid waste? How does it work in Hanoi? Okay. And the second one, more focused on the water pollution by plastic. Okay, plastic matters. And especially micro and nano fibers of plastic, which are invisible to the eye. Okay. So. Yom na chat bon ban ni. Bán không cô? Bán không nát đâu. Bán nát học quay TV cho này. Na chơi bon ban ni. Quand on entend la voix, c'était la joie. C'est le moment où on peut amener les plastiques, les canettes, ou bien les cartons, les papiers, pour revendre, pour vendre. Et ça, pour nous, c'est vraiment la joie pour des enfants.
en même temps, mes parents sont très contents aussi parce que ça dégage la maison. Quand j'ai entendu la voix de la donatre, de l'acheteur, la collecteur qui passait chez moi il y a 2-3 ans, je me suis dit, ça c'est précieux, cette activité et ce fait. Parce que je connais le contexte en France ou au Japon où on paye pour pouvoir jeter des choses. Et là, on a quelqu'un qui vient chez moi pour récupérer tous mes déchets. Et ça, c'est génial. En 2015, quand on s'est retrouvé avec Cindy, on se dit, on va faire quelque chose, on va étudier ce système qui est à la fois visible, mais aussi invisible. On va l'étudier pour découvrir ce système, mais aussi pour le comprendre. Sylvie Fanchette est géographe à l'Institut de recherche pour le développement. Pendant plusieurs années, elle a sillonné les environs de Hanoï et de Bac Ninh pour étudier l'évolution des villages de métiers et leur adaptation à l'ouverture économique et à la mondialisation. Des villages où parfois depuis plus de 1000 ans existe une activité artisanale. Et donc cette relation ville-campagne très étroite est vraiment intéressante à étudier parce qu'elle est fondée sur un système très ancien des relations entre la ville de Hanoï et les villages artisanaux où étaient produits les articles nécessaires au développement de la ville. De sa rencontre avec Huyen et de leur regard croisé est né le projet d'étudier la spécificité de ce système de collecte des déchets et le recyclage qui en découle. Avec des partenaires français et vietnamiens, au sein de l'Université d'architecture, de l'École de génie civil et de l'Institut des métiers de la ville, une équipe d'étudiants, de chercheurs et d'acteurs du développement décentralisé s'est mobilisée. On a décidé de travailler ensemble et surtout de comprendre le système de la collecte des déchets recyclables que moi j'avais étudié dans les villages artisanaux. Et je m'étais occupée simplement de la partie aval de ce système, c'est-à-dire la transformation des bouteilles de plastique, des cartons, des vieux papiers, des déchets de métaux dans les villages artisanaux. Donc c'est juste 2 personnes ou 5 personnes? 5 entreprises. 5 entreprises. On a vu qu'il y a des ateliers de transformation du plastique. Donc c'est un peu comme une zone informelle. La collecte des déchets par les Dongnat, leur entreposage dans les bails et le recyclage dans les villages sont des activités informelles. Cependant, 20% des déchets collectés dans la ville de Hanoï leur reviendraient. Des 80% restants, très peu sont recyclés et sont traités par enfouissage par des sociétés parapubliques de la municipalité. Il y a un cours de la bouteille en plastique, un cours de la canette de bière. Et donc les habitants trient chez eux tout ce qui est recyclable et elles vont le vendre aux Dongnat. Puis les Dongnat vont les vendre au bail. On fait marcher une économie fondée sur à peu près 10 000 Dongnat qui vont vendre à 800 bails. On a évalué à peu près à 800 bails, donc les dépôts de déchets, le nombre de ces dépôts dans la ville de Hanoï, la province de Hanoï, si je peux dire. Et donc tout le monde a un intérêt puisqu'il y a une économie circulaire, si on peut dire, qui se développe. Avec l'augmentation de la consommation du papier, du carton, des objets métalliques et du plastique, très souvent à usage unique, des ateliers de recyclage se multiplient. Des activités bien plus rentables que certaines activités traditionnelles, mais aussi bien plus polluantes. Notre objectif de recherche, premièrement, c'est d'étudier ce système qui est vulnérable pour voir s'il va disparaître ou il peut exister avec l'évolution de la ville, avec la métropolisation. Deuxièmement, c'est est-ce que ça peut être un modèle avec tous ces points positifs. À travers ce projet, nous avons pu mobiliser 350 étudiants de tous niveaux, de niveau licence, de niveau master et du doctorat. Et chaque étudiant devait produire, faire un exercice de terrain, c'est-à-dire localiser, faire des dessins des bails, demander un certain nombre de questions aux propriétaires de bails, leurs spécificités, depuis combien de temps ils sont installés dans ce site.
de faire un premier travail de tri, de bail, qui accepterait qu'on puisse travailler avec eux et faire des enquêtes un peu plus longues sur leur origine, sur leur itinéraire de vie. Et cela nous permettrait de trouver des terrains d'études pour des masters et des étudiants en master ou en doctorat pour arriver à comprendre un petit peu le caractère un peu plus social de ces activités, rentrer plus dans le détail économique. Et troisièmement, on voudrait développer l'approche territoriale et humaine parce que grâce à ça, nous avons créé des confiances, nous avons pu comprendre ce système qui est complexe par ses contacts humains directs avec les acteurs de ce système. La qualité des échanges avec des acteurs représentatifs de la collecte et du recyclage est fondamentale pour comprendre avec justesse l'organisation du recyclage des matériaux. Ce jour-là, nous retrouvons Sylvie dans un village où l'activité traditionnelle cède la place au recyclage industriel. Ici, c'est un des derniers, une dernière famille qui produit le papier à la main avec du ramenero. Elle dépend un tout petit peu des Donglap, dans le sens où cette pâte à papier, là, elle mélange aussi un petit peu des déchets. Ils font plutôt du papier de qualité pour les artistes. Et il ne reste plus que 3 producteurs de papier de Zaïzor. Après, on pourra voir le papier industriel qui est fait uniquement avec des déchets. Avant, les gens qui étaient dans cette entreprise, ils faisaient du papier Zor, comme ça, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en l'espace de 20 ans, ils sont passés à de la production mécanisée sur des grandes chaînes. Donc c'est un petit peu une révolution industrielle qui s'est effectuée en l'espace de même pas une génération par les mêmes personnes, avec du capital extérieur, des extensions sur les zones agricoles, sur le fleuve. La rivière, qui était une des plus belles rivières de la région, maintenant c'est devenu un égout. Aussi, on a besoin de beaucoup d'eau pour produire le papier, mais on a besoin d'une source pour évacuer l'eau sale. Avec notre projet de recherche, on découvre une conscience créée grâce à cette activité de recyclage. C'est que les habitants, ils mettent à côté, ils font le tri automatiquement. On se dit, est-ce qu'en étudiant ce système, on arrive à saisir des leçons, des manières pour conscientiser les habitants sur la question environnementale autour d'eux. Si l'on peut s'interroger sur les impacts environnementaux de ces processus de recyclage, c'est cependant grâce à la collecte des Dongnat que 20% du volume global des déchets n'est pas enfoui. Un long travail reste à faire en partenariat avec les collectivités locales et les entrepreneurs pour comprendre comment améliorer les conditions de production dans les villages artisanaux. L'enjeu de ces recherches est de prendre en compte les potentialités de ce système innovant, de ces activités informelles, grandement créatrices d'emplois pour les populations rurales et qui modèrent la production de déchets. En novembre 2017, à l'Université d'architecture de Hanoï, Huyen et Sylvie ont organisé un colloque sur les formes émergentes de densification urbaine en Asie, associé à une exposition de création artistique sur le thème des ordures. Un événement qui aura permis aux étudiants et enseignants de l'université et de la jeune équipe associée à l'IRD, créée quelques mois plus tôt, de rencontrer des scientifiques d'Asie et d'Europe spécialisés dans l'urbanisme et le traitement des déchets. Et nous pensons que, pareil, un rapport avec les donneurs, avec toutes les gens qu'on connaît, c'est en échange. On les apprend des choses, mais eux, ils nous apprennent aussi des choses. Donc finalement, tous les deux, on évolue par rapport à notre connaissance, par rapport à notre compréhension. Et c'est un rapport gagnant-gagnant. D'après une publication du docteur Jenna Jambek, tous les ans, entre 4 et 12 millions de tonnes de déchets en matière plastique rejoindraient les océans de la planète. Une conséquence
de la mauvaise gestion des déchets ménagers par les populations côtières. 60% de ces rejets ménagers plastiques proviendraient principalement de 5 pays d'Asie, la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le Sri Lanka. Si pour ces pays, la production du plastique ou son recyclage représente une part importante de leur économie devenue un déchet non traité, c'est une menace environnementale aux conséquences encore mal connues. À Ho Chi Minh-ville, capitale économique du Vietnam avec plus de 8 millions d'habitants, un programme de recherche est né de la prise de conscience d'une scientifique de l'Institut de recherche pour le développement. Pour la première fois, l'impact des plastiques sur une rivière tropicale d'un pays émergent est documenté. Ce projet, il est né d'un constat, on va dire, personnel, parce qu'au début, les plastiques n'étaient pas du tout ma spécialité scientifique. Moi, je suis venue au Vietnam pour travailler sur tout ce qui était contamination métallique, donc dans le réseau aquatique. Et en fait, en faisant mes premières missions ici, ce qui m'a effaré, c'est tout ce plastique. J'ai commencé à m'y intéresser, mais d'un point de vue, on va dire, plus citoyen. Et après, j'ai rencontré des collègues à Paris qui, eux, travaillaient sur la Seine, sur cette problématique du plastique dans l'eau. Et c'est à partir de là que le projet a démarré. Les premières missions, on s'est intéressé aux gros déchets et aux petits déchets en même temps, ces macro et ces microplastiques. Pour pouvoir les échantillonner, on utilise un filet à plancton. Quand on a adapté cette méthodologie ici, on a vu qu'en une demi-heure, même au bout de 10 minutes, notre filet était complètement saturé, on n'arrivait pas à le remonter, il y avait trop de débris. Donc on a diminué le temps, aujourd'hui on en est à une minute de mise en place du filet dans l'eau. Et avec une minute, on a suffisamment de matériel, voire des fois trop, pour pouvoir bien observer. Il faut savoir qu'en termes de microplastiques, on est à des concentrations qui peuvent être mille fois supérieures à ce que l'on trouve dans les pays occidentaux. Depuis un an et demi, deux fois par mois, à l'étal de marée basse, Emily, Chung et Toai prélèvent des échantillons sur la rivière Saigon. Par la suite, c'est au Centre asiatique de recherche sur l'eau que ces échantillons vont être analysés. When I go to the market, if I don't bring my own bags, maybe when I come back, I have maybe more than 20 bags. When I was a child, we used like tree leaves to keep the food. The people, they throw away many plastic in the street or directly to the canals or the rivers. Then the big plastic will be broken, will be fragmented into small particles like as we observe. So I think the main problem here is the awareness of the people when they use plastic. Actually, for my myself, I noticed about that just when I joined the project with Emily. Before, I didn't notice. Les échantillons préparés, l'étape de la filtration peut commencer. Puis, pendant des heures, Emily va analyser chaque filtre pour en faire l'inventaire. Les fragments qu'elle observe au microscope sont renseignés par des photos, mais aussi par des informations sur leur nature, leur surface, leur longueur, leur couleur. Si on regarde sur ce filtre, on a vraiment de la chance parce qu'on a toutes les classes. En bleu, on voit clairement un fragment de plastique. Peut-être un ici en vert, donc on regardera plus près pour s'en assurer. On a aussi sur cet exemple des fibres, donc tous ces longs filaments de toutes les couleurs. Donc ça va plus être issu du textile. Par exemple, tous les nouveaux textiles qu'on pense pour la montagne, les Gore-Tex, etc. Mais aussi, ça peut être issu des nylons, des filets des pêcheurs. Donc voilà, là on a une fibre qui fait environ 0,9 millimètres de long. Sur ce filtre, donc là on a ce qu'on appelle un pellet. Ces granules sont le matériau de base utilisé par l'industrie du plastique. Lorsque par accident ou par négligence, ils sont déversés dans une rivière ou dans l'océan, comme tout microplastique, elles représentent une menace pour la survie des oiseaux marins et des poissons qui les ingèrent. Si on continue, on voit un gros morceau de polystyrène. Alors au Vietnam, le polystyrène il est beaucoup utilisé pour tout ce qui est food packaging. Et généralement, c'est à usage unique. Donc on mange, on jette. Et s'il y a une rivière à côté, les gens jettent dans la rivière. Là, ça rentre dans la catégorie macroplastique. Il a plus de 5 mm de côté.
Mais si on zoome, on va pouvoir en trouver des plus petits juste à côté qui ont été dégradés. Le polystyrène, il se fragmente très très rapidement, très facilement. Dans leur démarche scientifique, Emily et Chung observent la présence de microplastiques parfois là où on les attend le moins. Now we check the availability of microplastic in like water, in fish, in clams and sediments. Also in the air by taking the rainwater. And actually I just told Emily about the idea that we the possibility we will check the microplastic contamination in commercial salt. On a aussi un autre programme qui est sur les macroplastiques où là on a travaillé plus particulièrement avec le service de la ville qui était vraiment intéressé de voir quelle est la forte proportion de plastique dans les rivières et les canaux de Ho Chi Minh Ville. Donc depuis cette étude où on leur a fourni un peu des chiffres sur l'importance des déchets, eux ils ont continué à améliorer ce ramassage des déchets sur plusieurs canaux. Et ils continuent aussi à améliorer tout ce qui va être prévention au niveau des habitants pour ne pas jeter ces déchets dans la rivière. I was really shocked when I read the paper written by Jim Beck and others. Then I already chose the microplastic with Emily, and I feel that I'm lucky because I have a chance to join this project to deal with the real problems of not only Vietnam but the whole planet problems. Depuis les années 50, la production annuelle de matières plastiques a été multipliée par plus de 200 et le rythme s'accentue. L'impact des macroplastiques sur la mortalité des espèces animales est désormais connu de tous. Mais qu'en est-il des microplastiques? Les recherches en cours apportent dès à présent des connaissances sur la situation des microplastiques dans l'environnement d'une rivière tropicale traversant une métropole d'un pays émergent. Okay, so I hope you enjoyed these two first movies, that nobody fell asleep during those. So are there any questions about these two movies? Or are they completely self-explaining? The first question is that I would like to start with that I like the video first. Then the first question is that these two videos are available on YouTube? Yes. Available. Yep. And the second one, I'm thinking about the plastic bag. I was thinking that how many percent of plastic that we use from domestic and how many percent from the industry. For now, at my home, I separate my waste into three categories. The organic one, I do the composting system, and then the one that recycle. I can sell that for someone, and the last one for the dump site. And my family member try not to use the plastic bag. We use we call it eco bag, like the bag that we got from the training. But I'm not sure that what are we doing can reuse how much of the plastic. And we try not to buy some drink that packed with the plastic. And we try to avoid any kind of plastic.
But we are, I'm not sure that we, how much we are contributing to reusing the plastic. So I want to know that the domestic plastic is how many percent, represent how many percent of the plastic waste. So there is no specific study on the origin of the plastic found in rivers, okay? Either macro or microplastic, although it is believed right now in Ho Chi Minh City, only in Ho Chi Minh City, because we did not conduct any studies in Hanoi yet. It is believed that the pollution by macro and microplastics found in Saigon River is approximately 80% coming from inhabitants. Okay, so not from the industry. So 80% coming from inhabitants means that what you are doing, and I congratulate you to do it, if it can be extended, if the awareness of people can be a little bit raised, okay, there is probably a good chance to reduce the amount of plastic found in the river. Now, it's for me, it's complicated to answer with actual numbers, because it also involves a number of studies which basically link to the first movie, which is also the, well, you have the exhibition outside, the life of the plastic in the Vietnamese society. Okay, so how do plastic matters live in this society? How do people exchange them, use them, buy them, sell them, etc.? So there is an individual awareness to raise, of course, but also probably some collective rules to adopt, maybe some more restrictive regulations. And in that respect, neither NGOs or individual people can really do something. Okay, it's a matter of well, the state, the popular committee of the city, or anything. So probably, like in the first movie, there should be something coming from, well, a bottom-up approach to reducing plastic pollution, but it needs to be complemented by a top-down approach with much stricter regulations. Okay. And maybe if I can add one word about this, we have to be very cautious about. So the role of the scientists you have seen here is basically to understand how it works, to follow, to measure things, to be able to quantify things, and maybe to quantify progresses in the future with the same methodology. But the thing is, we have to be very cautious, because as you saw in the first movie, plastic recycling by itself makes a living of a number of people. Okay, so once you banish plastic use, and if we imagine that you can banish completely plastic use, what will these people do, actually? And here, it's also a matter of, well, actually, it's a political choice that needs to be taken at a political level. It's to provide them with alternative activities, okay, to transform things, and it can take a long time. Okay, it cannot be done in one day or 2 days. So these are very complex systems, and we live in a complex world. But we really need to think about the social impacts also of environmental regulations. Okay, everybody agrees we need to reduce plastic use and plastic pollution, but we have to think also about the fact that Vietnam is one of the largest producer of plastic bags. Sorry, in the world. Okay, people live from it. Their families live from it. So how do we transform this into something a little bit more environmentally friendly? I have no answers right now. And it's probably something that needs to be tackled collectively and at different levels of decision. Okay, so it was a long answer for... Thank you for the very interesting films. I have a question to the first movie. What about the wastewater of the when they produce the paper? Because you said it also uses a lot of water, and it gets, where does it just get
discharge to, and what are the trade-offs of collecting the plastic and the waste, and but also then the environmental impact of the production of the recyclables? Okay, so thank you for this question, because actually originally the movie was a little bit longer. Okay. And we were tackling two subjects at once. First one was recycling, which you saw actually, and the second one was the environmental impact of recycling, which is largely unknown and unmeasured, actually. So it has an impact. So we should only maybe the positive impact of recycling, okay? But it has a very negative impact coming from two facts. One is really engineering. Is the fact that all the small factories that recycle plastic, paper, metal, etc., are it's sometimes it's a very obsolete technology that does not respect any environmental regulations or anything. And the second fact is that most of them, the vast majority of them, are belonging to the informal sector. Okay, so they don't have basically to obey any regulations. And Vietnam is very well equipped in environmental regulations. So there are many, many different things. If you look at the formal sector, so formal recycling factories, for example, they have to respect a number of rules, okay, so that they don't dump the water like this in the next river, so that they respect a number of criteria. They have to do measures regularly, etc. In the informal sector, basically, people don't have to do this. And we didn't show these images. We have them, and it will be probably the subject of another movie on this. If you visit Minh Hai, which is one of the most known villages in North Vietnam for its plastic recycling activity, the surroundings of the village, it's absolutely terrible. I mean, it's like a Lego or Playmobil world. You live in a world of plastic. Okay, everything is plastic. The fields are covered with plastic, so you don't have any vegetation more, or very sparse one. The rivers are from many different colors, so it's quite beautiful, but at the same time, a little bit terrible. And kilometers around, you have fields of plastic, containers of plastic, etc. So, and the people are aware of it. They know it. And they know it also because there has been a kind of reflection by the Vietnamese society, because they were the subject of a VTV documentary film not so long ago, I don't know, 2 years ago or something like this. And people are a little bit ashamed of it. But at the same time, when you speak with them, and I went with the researchers there, et cetera, and we had very interesting discussions, actually, with people. And they say, okay, well, our life has improved, actually. And improved in the sense that 40% of the inhabitants have cars. The children go to good schools. They can go to foreign countries to study, which was something they could not even imagine maybe 15 years ago. So their revenue has increased. They live in beautiful houses just next to the recycling factories. The pagoda there is a golden pagoda. It's a very rich pagoda. So it's complicated because they have seen an improvement in their life. They know the environment around is not completely clean, to say the least. And when we speak with them, and actually there is one of the participants is at the back of the room here. When you speak with them, actually they say, okay, it is probably the responsibility of the government to clean up the environment, okay, around, so to make sure everything is clean and we can. It's not our responsibility. So again, kind of awareness, which is difficult to defend, because you cannot deny the fact that their life is probably better than 15 years or 20 years ago.
Are there any plans to regulate plastic, to ban some parts of plastics, or? I'm not aware of any. I'm not aware of any plans. There have been a lot of workshops, conferences, discussions, sometimes with top-level political people. So people are aware of it. Okay, aware of it. Also because there is an international pressure on this. 3 weeks ago in Hanoi, there has been a signature by, I don't remember, 26 ambassadors on banning plastic from the French, German, Swiss embassies and trying to promote plastic-free activities, etc. The mayor of Hanoi was there, well, the head of the popular committee was there. So they did not commit to anything, but at least they are aware of it. And it will come. But again, it's something we have to be aware here in Vietnam, a large part of the economical activity is informal. Okay, so people don't have to obey any regulations because basically they don't exist in the system. Okay, so how can you impose something at someone who doesn't exist in the system? So it needs that the awareness should be also extended to taking into account these informal activities. I don't know what you think, Lynn, because maybe you're one of the ones who know this the best, but it's going to take some time to just admit that there is a very huge informal sector in the economy in Vietnam. Yes, thank you for the nice video. Yeah, I'm Ho Sing Heng from Institute of Technology of Cambodia. Yeah, we did also solid waste management in the research level. You know, we have faced many complications, many meetings among researchers, among government policymaker, but still the waste is even worse, more and more, you know. And when, in principle, we know very well that we need evidence-based information, evidence-based decision from research and bring it to policymaker and then convert it to policy document for better management in terms of solid waste. But just like my colleague from ITC have mentioned, he did well at home. Separation, segregation, its source, but at the end, the company who collect the waste, you know, just group up and waste all the waste at one side. But my question is, what is your best practices in Vietnam, for example? You know, it's not easy to convert to collect correct information about solid waste situation. This considering is not easy already. How much more if you convert this one into policy document with the correct understanding to policymaker? And these are complex work between scientists, between policymaker, and social aspect also have to be there. And how, of course, I understand it's subjective to say, okay, we have to put more commitment, we have to put this, we need more enforcement. Sometimes we have 3E. 3E, we have engineering, we have to collect enough correct scientific information, we have to have enough enforcement, and another one is education from people, we call 3E nexus. These are a lot of talk, but still this is an issue. So how can we do it in ASEAN context, for example, in Vietnam, what is the best practices so that the government integrates scientific information properly into their policy so that the policymaker commit to implement
that policy. You know, I have reviewed some document very good. Sometimes it's just copy and paste, or sometimes it have been well integrated by scientists, but it's not implemented at policy level or implementer level. These are my own experience. That's what I have seen. But how can we do this? Sometimes we it's quite subjective to say we have not enough regulation or law, but enforcement is challenging to us. But to your experience, what can you share to us also? Because we cannot wait for environmental issue. So I hope we have the weekend to discuss about this, because it's a very large question. Well, actually, I'm very optimistic by nature, okay? So it has nothing to do with plastic, it's just like this. And I think what you're raising, the issue you are raising, you're completely right. I mean, how does the dialogue between scientists and policymakers happen? What kind of interfaces are necessary for some of the scientific results to become recommendations, for example? How can we monitor things? I will be very honest, I absolutely don't know, okay? You have formal processes in these matters, and for example, on climate change, we see worldwide a very formal process of information by scientists, to policymakers. So that's one example of a very formal process which has been put into place to monitor the progresses or the reverse, but on the emission of greenhouse gases. But mostly, and I think especially maybe in Vietnam, so in Cambodia I can't say because I don't know, but in Vietnam, most of these interfaces are completely informal as well. Okay, it's because at the level of the university, you know someone from the popular committee, then maybe some projects will be launched, and these projects will turn maybe into recommendations, etc. So most of the dialogues happen in informal places, informal meetings, informal discussions. So you can't only rely on informal things to make a whole society advance. How can we deal with this? And for me, actually, the role of the scientist is, first, it's not to write policies. Okay, so we don't have to tell Vietnam actually what to do, because usually we are not so good examples. Okay, so what happens now in Vietnam probably happens, maybe not on plastic, but on other kind of pollutions, happened in Europe maybe 40 years ago, 50 years ago, and I'm not completely sure we drew the lessons from them. So how can we intervene without telling people what to do, or without having the temptation to tell people what to do? I think there are many ways. Policymakers, and one way in Vietnam right now seems to be working a little bit, so I don't know how long it will last. Policymakers in Vietnam are influenced in a way or another by the general public, by their opinions, by what they share on Facebook, but what they share on different social media. It is a fact, okay? It has begun not so long ago, maybe 5, 6, 7 years ago, but it is a fact that now when some environmental scandals or catastrophes happen, policymakers tend to listen to people. I don't know that they will follow them, but they listen to them. They listen to their preoccupations, they listen to the issues they raise, and they try to bring answers. For me, scientists can intervene in this matter, in giving some solid background to preoccupations, to issues raised by people. Okay, because it's not sufficient to say, oh, my river is full of plastic bags. If you can't exactly measure the amount of plastic in the river and measure any progresses that will make
that will be made after. Okay, so scientists, for me, are extremely important to give some solid ground to claims, but also to policies. Okay, so they don't have the. We are not here to write them, but we are here maybe to measure their progresses, to measure what they, or maybe the lack of progresses as well. So to monitor things. Okay, and we have the tools to do it. We have the knowledge, we have the tools, we have the communities to do it, etc. So that's one aspect. Another aspect is also innovation. Okay, so some of the researches turn into technological innovations, and these technological innovations can improve things sometimes. Okay, there have been many examples of this. So for me, that's it. I don't know if I exactly answer your questions, but I don't see the role of scientists, and especially the role of foreign scientists in a country like Vietnam. I can't see our role as policy writers or even recommenders. Okay, we are not here to tell how to do. We're here to measure things, maybe propose ideas, why not, in terms of innovation, but not to write policies or regulations. It's okay, the answer? Okay. Good morning. I work with WWF, and WWF is working on a world campaign on plastic. Yeah. And I'm not an expert on this issue, and I still wonder why we have to discuss it. It's so simple in my view. I'm sure the little girl attending our workshop understands that it's not good to put plastic in rivers, and still it's happening. Great two pieces of awareness, and awareness is important, but awareness is not enough to change behavior. And regulation, yes, actually Vietnam has good regulation. I agree with the gentleman, enforcement is the issue. But there's so many things to enforce, getting people to stop at traffic light, to not put their karaoke loud at night, to eat endangered species. So there's a lot of enforcement challenges. So I think we may want to go a bit further. I'm also quite fiberglass when I go to a supermarket in Ho Chi Minh City and they don't let me take my recycled bag inside, or I need to get the manager down to allow me to just put the sticker on my avocado and not put it in two layers of plastic. And when those supermarket brands are good citizens in other countries, what can they apply and have some role in changing behavior in this country? As the way forward, yes, challenges. I think actually, if you do look at Vietnam, they do have some advantages. The fact that recycling plastic is still a tradition and it's still alive. When we realized that we needed to do this in Europe, we had lost this tradition. So it's more a matter of modernizing it and maybe working on yes, the pollution impact of recycling. And I think collective action is key because they are small enterprises and they cannot bear the price of those complex treatment needed. So collective action is key, and that's something also that collectively we can promote. The first sentence of your first movie about the lady from, I think, the University of Architecture, saying that in her youth, and I still remember this, I was already in Vietnam, there was a lot of recyclable, biodegradable packaging. So thinking ahead of the curve, I think Vietnam may want to look in that space because they have the tradition, people are still there. So getting on the market, understanding the health dimensions of it, but that's maybe something that innovation and innovation is often regarding modernizing tradition that we want to look into, because Vietnam would be, I think, could be easily a leader in biodegradable packaging. Yeah, thank you very much for your comments. WWF is effectively quite, has made an impact on awareness here. So thank you very much. And I completely agree with you that some parts of innovative strategies can also look at traditions, especially in countries like Vietnam or Cambodia, for example.
So we are going to look at two different, completely different movies. So we're not talking about pollution anymore. Here it's about the, well, the two, I would say the two hearts of the country, but basically two, having two hearts is probably not very healthy. So let's say the 2 feet of the country here in Vietnam, the Red River and the Mekong River Delta, so with two different focuses. The first one on how to measure the sediments in the Red River, and the second one on erosion, accretion, and subsidence mechanism in Mekong River Delta, which actually will completely complement the talk made by Dr. Tri yesterday morning. Okay, so give an illustration to this. Et une fois qu'on est revenu au point de départ, on va aller à la station 3 et rééchantillonner pendant 24 heures, toutes les 2 heures. Érosion, envasement, submersion, intrusion d'eau salée dans les rizières. Pour répondre aux questionnements du gouvernement vietnamien, des scientifiques de l'IRD, de l'IMER, de l'USTH, tous rassemblés au sein du laboratoire Lotus, se mobilisent pour comprendre la dynamique du delta du fleuve Rouge. Donc on est aujourd'hui sur la rivière Vanuc, c'est le troisième bras de l'estuaire du fleuve Rouge, pas très loin du port de Haiphong. Et c'est une région qui est soumise à des problématiques en fait liées à tout ce qui est envasement et érosion. Il y a des zones qui étaient autrefois des stations balnéaires ou des ports en eau profonde qui se retrouvent envasés en permanence, donc il est nécessaire de draguer. Et puis d'autres zones, peut-être un peu plus loin par contre, qui sont soumises à l'érosion. Et le delta du fleuve Rouge, c'est un système extrêmement complexe. Donc c'est le deuxième fleuve du Vietnam qui arrive dans le golfe du Tonkin, dans ce delta, et qui est soumis à énormément de facteurs de variabilité. Il y a l'impact naturel, bien sûr, avec les typhons, les vagues, etc. Mais il y a aussi énormément d'activités humaines. En particulier, il y a eu la construction d'énormes barrages dans les années 80 qui ont complètement diminué le débit à la fois en eau et en sédiments. Le fleuve Rouge, c'était autrefois un des fleuves qui charriait le plus de sédiments au monde. Et puis c'est aussi une région qui est une des régions les plus densément peuplées du monde, et en particulier pour tout ce qui est production de riz. Lié à ceci, nous avons énormément de canaux, de digues et de systèmes d'irrigation très complexes qui font que le transport de l'eau et de la matière associée dans l'estuaire, finalement, est énormément piloté par l'activité humaine. Nous, on essaye de comprendre de façon générale comment l'eau et la matière associée, donc que ce soit les sédiments, aussi tout ce qui est matière organique et nutriments, arrivent du continent, se propagent dans l'estuaire et ensuite vont aller vers l'océan. Avec 4 mètres de marnage et une onde de marée qui se propage jusqu'à 50 km en amont, l'effet de la marée est primordial sur la circulation des sédiments dans le delta du fleuve Rouge. Pour intégrer son influence en fonction des saisons dans les modélisations, les scientifiques mesurent et échantillonnent à partir de 3 stations, depuis l'estuaire jusqu'à 30 km en amont. Et donc on a ces 3 stations qu'on va échantillonner chacune 24 heures. Pour couvrir tout un cycle de marée, on va couvrir une marée haute et une marée basse, et toutes les 2 heures pour essayer d'avoir une plus juste représentation de la marée. Et le dernier jour, on va redescendre toute la rivière de la station 3 à la station 1 en échantillonnant à peu près toutes les 10 minutes, histoire d'avoir aussi un transect tout en long de la rivière. Météorologie, circulation océanique, changement climatique, plus que jamais, les prévisions calculées par les modèles numériques sont utilisées pour anticiper sur des événements à venir. On
va essayer de faire en sorte que notre modèle représente les rivières, représente l'écoulement, représente le débit. On veut qu'il représente aussi bien la température, la salinité. Et une fois que tout ça c'est en place, on va pouvoir répondre aux questions de sédimentation de la région. Par exemple, on va pouvoir comprendre pourquoi certaines zones vont s'envaser, pourquoi certaines zones vont être érodées rapidement. On va pouvoir un peu aussi, par exemple, prédire le futur. S'il y a un projet de construction d'un barrage, on va pouvoir, nous, l'implémenter dans le modèle et voir quelle différence dans la dynamique du système cela va créer. Mais pour cela, les scientifiques ont besoin de mesures in situ pour calibrer et valider les modèles numériques. When I do PhD in UFTS, I can use high technology equipment, for example ADCP, to measure current, profile current along the river transect. We use the need to measure grain size distribution in the water column. And I also use the CTD to measure the profile, turbidity, water temperature and salinity. Được hai người không? Hai người nhưng mà không hết chân đâu. Thôi không cần chân chỉ cần máy là được. Okay. I hope I can improve my understanding about not only hydrodynamic processes but also sediment dynamics. We already estimate the Van Ook River discharge before, but now we have this one is new data, and it's very useful for not only for compare but also to know what change river discharge before, now, and maybe in the near future. Les données in situ nous aident à comprendre et à vérifier que le modèle reproduit correctement ce qu'on a observé sur place. Et après, on peut utiliser à la fois ces données et le modèle pour comprendre vraiment le fonctionnement 4D, donc en 4 dimensions. De l'estuaire, donc à la fois dans le temps et puis dans l'espace. La combinaison des données de terrain et des modèles numériques permettra de comprendre les mécanismes qui déclenchent l'envasement et l'érosion. Les scientifiques du laboratoire Lotus apporteront ainsi aux gestionnaires de l'environnement des éléments pour agir en connaissance de cause sur ce milieu complexe où les hommes, la terre, le fleuve et l'océan sont étroitement interconnectés. Depuis les années 80, la construction de barrages hydroélectriques sur les rivières du delta du Mékong a considérablement réduit le déplacement des sédiments du continent vers la mer. L'érosion du littoral est apparue tout particulièrement dans la région de la rivière Saigon-Dongnai, où des barrages sont situés à seulement une centaine de kilomètres de l'océan. Les autorités gouvernementales ont engagé la construction de digues, la mise en place d'équipements de mesure, de surveillance, et des scientifiques de l'IRD et du CIWIR ont été sollicités pour comprendre le phénomène en apportant leur expertise et leurs outils d'analyse. Mon cœur de métier, c'est la modélisation océanique et côtière. Tous les processus d'échange, de transport dans l'océan, du large jusqu'au littoral. L'observation, ça ne permet pas d'avoir une image complète des choses. Soit on n'a que quelques points en espace, soit que quelques points dans le temps, mais on n'a jamais une vision continue d'un système global. Donc la modélisation permet de faire ce lien, d'avoir un recul par rapport à un système régional comme celui du delta du Mékong, pour comprendre comment les différentes sous-régions de ce système peuvent se connecter les uns aux autres. Ce matin-là, Patrick, San et ses collègues retournent sur le littoral de la côte sud-ouest du Vietnam. Let's say for 20 years ago, the west coast of Cà Mau is considered to be the crescent area, and it is the we get the land expand to the sea. But nowadays, let's say at least 10 years
to now, we can see it's a very serious erosion. Any protection measure in the world has been applied in the Lower Mekong Delta. There's no erosion everywhere along the coast because some parts are accretive. Like over there in the Cape of Camao, there's a lot of accretion. But on the other side, lots of erosion. So we cannot explain global erosion by a decrease of sediment flux because there are parts that are eroding quickly and parts that are accreting. So we have to find other processes that can explain what we observe. But for example, in Gokong, we'll see that later, we think that the reduction of sediment flux from the Saigon Dong Nai River might be really a strong source of erosion there, because it's so directly impacted by this river. Pendant des millénaires, les sédiments transportés par les rivières ont construit le delta, un espace où plus qu'ailleurs, les relations entre l'eau et la terre sont complexes, mobiles et interconnectées. Ici, à Gokong, l'érosion du sol d'une mangrove laisse apparaître un substrat sableux. So here on the surface we see only sand, but just below here we can see the muddy layer which is mangrove soil before. Yeah. It's been this really young deposit of sediment. Deeper and deeper we can see just only mud. See this really mud. Mm. And now it's exposed at the tidal flat. It means we have really strong erosion as well as maybe the sinking already happened in this area. That's the reason why the level or the mangrove high elevation here become lower and lower. Means we have the mud that is trapped below the sand, mm-hmm. And the sand is protecting from eroding further mud below. Yeah. But there's no much mud at the surface. Yes. And the mangrove cannot really grow on that. Yeah. À l'heure actuelle, les modèles prennent en compte le rôle des vagues et des courants marins dans l'érosion et la déposition des sédiments. Mais cela permet-il d'expliquer les phénomènes observés? La région de Camao à l'ouest, avec Futan et Umin, là aussi les modèles ont du mal à reproduire cette érosion qu'on voit depuis une dizaine d'années, simplement, à notre avis, parce que les processus qu'on y a mis dans ces modèles ne sont pas suffisants, en particulier la subsidence est manquante, donc l'abaissement de tectonique de la ligne de côte. Le pompage excessif des nappes phréatiques entraîne la compaction des couches d'argile qui les emprisonnent. Alors, le sol, comme une éponge, diminue de volume en se desséchant. Donc on voit en rouge les zones qui subsident fortement, à plus de 4 cm par an. En jaune, les zones qui subsident à quelques centimètres par an, 2-3 centimètres par an. Cette zone de Camao, il y a un pompage des eaux souterraines importantes dans cette zone, étant donné qu'on est assez loin des rivières et qu'on a besoin d'eau pour l'aquaculture et l'agriculture. Ce sont les villes qui sont les zones de subsidence principales, parce qu'il y a une grosse demande avec une forte population. Dans les villes, le poids des constructions modernes augmente la compression du sol. Ho Chi Minh Ville subside à une vitesse d'environ 5 cm chaque année. Donc c'est ce que tu vois toi concrètement. C'est beaucoup plus important que la montée des eaux. Et en fait c'est beaucoup plus important, c'est environ un ordre de grandeur on estime par rapport à la montée des eaux. Et tiens là, juste ah oui, là avant, on voit un peu. On voit aussi un bel exemple. Allez, on voit. Là, on voit bien les comme ça. Parce que la maison est bien fondée, mais pas la clôture. Donc clôture et route ne sont pas fondés de la même manière que la maison. Non. Donc tout bouge, alors que la maison, elle bouge très bien. Voilà. Ouais. Bon, et là, regarde, tiens. Ah, oui. Ah oui, là, c'est... Là, il y a un bel effet. Là, encore plus que l'autre maison, parce que c'est plus étroit, je passe de plus près. Oui. Et pareil, le rempartage, c'est plus imposant. Ouais, t'as un peu peur que ça tombe sur la tête. Là, on va passer dans le jardin. Là. Là, tu vois, il y a un gros trou. Ah, c'est énorme. 50 cm. Ben voilà, il y a 2 ans, ouais. Quand on est entré dans la maison, tout était comme ça. Oh, le niveau était là. Ouais. Voilà, le niveau, même peut-être légèrement plus haut. Un petit peu pavé. Là, il y a un vrai trou de. C'est pareil, une trentaine de centimètres. Ah ouais. On pense généralement que le Mékong va être victime essentiellement de la montée des eaux. On s'aperçoit en fait que la subsidence est probablement un problème beaucoup plus
critique en fait que la montée des eaux actuellement. Dans le futur, le défi sera d'intégrer dans un unique modèle plus de compartiments, comme celui de la complexité de l'écosystème mangrove, pour tenir compte de plus d'interactions. Mais pour y parvenir, il sera également important de développer des programmes de surveillance du continuum terre-mer qui fourniront des données cruciales pour calibrer les modèles. As you can see, it's already subjects we covered yesterday, actually. So probably some of the questions have already been asked. But if you have any specific questions on these two programs, so as you saw in the movies, we have developed with Vietnamese partners two different laboratories, one in the north and one in the south, actually one in Ho Chi Minh City, one in Hanoi, and Haiphong. That's more or less use the same methodologies to work on these two river complexes. Okay, so all together, these two programs mobilize 70 to 80 researchers, actually. Okay, almost full time. Thank you, Alexis. We are now trying to propose for a research project for GOI from IOD as well. And our topic will be on the global change and in vulnerability impact assessment of the of the coastal area in Cambodia, particularly. So based on your work in Mekong Delta in Vietnam, so what is the outcome? What is the output finding from your work and should be implemented, should be the lesson learned for Cambodia to ask the researchers as well? Well, that's a complex question because basically if you take only the last movie, I would say that the main output, besides the scientific papers, etc., the main output is a model, numerical model, that could be used and I hope will be used to be able to anticipate some of the changes provoked by the construction of dams, building of dikes at some point, et cetera, in terms of erosion and accretion of the coastal areas. So mainly trying to monitor or to anticipate these phenomena. I didn't work on these models, so I can't really answer precisely. The only thing I know is that the Mekong Delta, the Vietnamese Mekong Delta, is a very complex interconnected system, but that the Cambodian Mekong Delta is even worse for modeler. I don't say it's not good, but so you have a Tonle Sap, it's a nightmare for hydrologists and modelers, and at the same time, a very interesting subject. So I'm not completely sure the models built for the Mekong Delta, but maybe there are some people in the... Because I know that Kanto University used to work on the Cambodian part of the Mekong Delta. But I'm not completely sure the models we have been able to build for the Vietnamese Mekong Delta will be reusable or at least transposable to the Cambodian Mekong Delta. I would say that probably some of the methodologies would be reusable very easily to build the models. And to go a little bit further, I'm not completely sure it is useful to build another model. I would say, we have a border between Cambodia and Vietnam, but the water does not respect this border. Climate change, subsidence, erosion do not respect this border. Okay, so it's really part of the same system. So probably, so congratulations, if you succeed in, but already congratulations just to build the application in time. but if you succeed, I think the best way to look at it would be probably to try to expand the existing models
to include the Cambodian part of the Mekong Delta. And already it is a subject by itself, especially with the Tonle Sap and the different circulation of water in this region. Okay? You're welcome.